Mes chers collègues, je viens de recevoir un coup de téléphone de l'académie. L'inactivité guette nos élèves. On nous conseille de favoriser les activités extérieures. Je compte sur vous. Évidemment, si on regarde les kangous, il y a de quoi s'inquiéter. Ce n'est pas comme Didi et Marcos, mes chéris, si beaux et si sportifs. Mes chers enfants, vous allez participer à un cours d'archéologie en plein air. Génial! Le top du top! Il n'y a rien de tel que de faire des travaux pratiques. Oui, c'est ma spécialité. Grâce à cette carte ancienne, découverte dans le palais de mon papa, le roi, nous allons chercher, et j'espère... Tu vois où elle nous emmène? Ouais, c'est pas bon pour les affaires de notre père et de Papudi. Les vestiges du château fort de Richard le Rouge, mon glorieux et très lointain ancêtre. C'est ici, j'en suis sûre! Creusez, les enfants, creusez! Oh! Stop! Plus de pelle, plus de pioche! C'est peut-être un morceau du château de mon ancêtre! Il faut surtout pas qu'elle voie ça! T'as raison! Les kangous ne trouvent pas grand-chose, et vous? Vous voyez? C'est tout ce qu'il y a par là! C'est dommage, non? Hop, 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 c'est l'heure du sport! Tout le monde sur le terrain de basket! Oui, match surprise dans 10 minutes! Les Kangous juniors contre les 5... enfin, je veux dire... contre Didi, Marcos, Vip Vip, Rox et Robby! Ouais! Génial! Pourtant, je suis sûre que le château de mon aïeul est par ici. Peut-être ai-je regardé la carte à l'envers. Pourtant, c'est impossible! Papy, ouais, t'as raison, c'est la sirène de l'enfer. C'est parce que notre papy va construire des bungalows de vacances avec notre papa. Ils apportent le matériel par la mer. Et si on allait voir les travaux? Ça, c'est une super idée. On revient, Samy. Mais la partie de basket, il ne respecte rien, c'est la honte. Non, mais là, c'est ici qu'il faut creuser. Pas du tout, c'est le sud dans cette direction. Je suis encore viré de boussole. Et moi, je pourrais encore te donner une belle correction, espèce d'insolent. S'il continue comme ça, les bungalows tourneront le dos à la mer. Oh, t'as raison, c'est pas extra. Ce serait quand même chouette de les trouver. Quoi? Les vestiges du château de Richard le Rouge. Archipel géographique, mon journal est formel. Richard le Rouge a bien construit un château sur l'île. Alors, il faut le trouver. Oui, d'accord, mais comment? En persévérant. Oh! Quelque chose me dit que la famille D est en train de bricoler un truc pas net. T'as raison, il faut qu'on aille voir ce qui se passe sur le chantier demain matin. C'est le moment. On va chercher le château. Extra! Vous ne voulez pas faire une partie de basket? On parie qu'on vous bat. Je voudrais bien voir ça. Allons-y. C'est génial d'accepter, ça me fait tellement plaisir. Et à moi donc. Oh! Excuse, j'ai pas fait exprès. Pas de problème. Je suis sincèrement désolé. La bande des 5 sympas, c'est trop louche. Je vais les avoir à l'aide, moi. Je crois que la bande des 5 fait tout cinéma pour nous empêcher d'aller sur le chantier. Ouais, t'as raison, c'est pas net. Si c'est pas net, faut en avoir le cœur net. Hop là. Pas qu'on s'ennuie, les gars. Mais on a un truc à faire avant la fin de la récré. Allez! Ah non, c'est pas du jeu. Partie commencée, partie terminée. Oh,
travaille jour et nuit. Allons-y. Faut pas faire de bruit. Allons-y. Regarde, Alex, le château de Richard le Rouge. Si les autorités culturelles nous tombent dessus, on les fiche. Ils nous feront arrêter nos travaux pour faire une saleté de musée. Et adieu les bungalows. Et tout l'argent que ça doit nous rapporter. Il n'y a qu'une seule solution. On va tout faire sauter demain matin à la dynamite. Il faut absolument sauver les vestiges de Miss Adélaïde. Non, pas les vestiges de Miss Adélaïde. Les vestiges du château de Miss Adélaïde. On va la prévenir demain. Toujours à se mêler des affaires des autres, ces maudits kangous. Je ne vois qu'une solution. Kangou Junior. Debout tout le monde, c'est l'heure, il fait beau sur School Island. Et après le petit déjeuner, cours d'archéologie, en pleine nature, nous pourrons chercher le château de l'autre côté de l'île. Je sens que vos élèves vont trouver cette fois, chère Miss Adélaïde. Ce serait tellement formidable pour l'île, pour l'école et pour mon papa le roi. Ils nous ont enfermés. Oh, les traîtres. Ils faisaient tous mine de dormir. Ça va encore être de ma faute. Balthazar et Papidi vont faire sauter le château. J'ai une idée. C'est quoi le numéro de poste de Monsieur Walter? Le 777. Il faut appeler la police. Oui, il a raison. Si on fait ça... Le père et le grand-père de Didi risquent de se retrouver en prison, n'est-ce pas? Quand même, la prison, c'est pas extra. Oui, il faut trouver une idée. Une idée comme celle-là, par exemple. Kevin, fais le numéro. C'est le 555-482. Alors, ici Balthazar dit, je voudrais parler au rédacteur en chef. Ah oui, c'est lui-même. J'ai une révélation de la plus haute importance à faire. Ah oui, quel genre de révélation? Du genre qui fait beau. Kangou Junior. Allez, vas-y, Balthazar, il faut en mettre un bon coup. T'inquiète pas, papy, je connais la musique. Dans 30 secondes, il n'y aura plus de vestiges. Et bien, nous n'importe. Ne bougez pas, une photo. Vous êtes des héros des temps modernes. Comment avez-vous fait pour trouver des pires moyens dangereux? Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces ânes pâtés? Mais j'en sais rien, les tais-toi, les souris. Eh oui, nous sommes très fiers d'offrir notre découverte aux générations futures. Dès que nous avons trouvé ce morceau de vestige, nous avons immédiatement prévenu les autorités culturelles. La presse, le roi, enfin, tout le monde. Oh, nous n'aurions pas pu garder un secret pareil pour nous tous seuls. Non, que nous, voyons. Vous cherchez partout? Juste un petit contretemps à régler. Que vont devenir ces vieilles pierres? Un musée, j'imagine. Oui, c'est ça, il y a un musée. Et comment s'appellera ce musée? Musée Famidi. Je savais bien que le château de mon aïeul était dans cette zone. Je sais encore lire une carte. Alors, le voilà votre château, Miss Adélaïde. Le principal, c'est que les vestiges archéologiques soient intacts. C'est le plus jeune de l'île qui va avoir l'honneur d'inaugurer ce magnifique musée à la gloire de mon ancêtre, Richard le Rouge. Et Richard le Rouge qui... Oui, nous le savons. J'ai le grand honneur d'inaugurer ce musée devant la famille Guy qui est vraiment trop modeste. Car Balthazar Guy n'ose pas vous dire qu'il souhaite que le musée s'appelle en fait Musée archéologique de School Island. C'est tout à leur honneur pour la famille Guy. Hip, hip, hip. Papa. Bravo, vive la famille Guy.
Félicitations, les kangous. Vous avez sauvé les vieux vestiges. C'est moi qui vais te transformer en vestige, banane. Retenez-moi, je vais faire un malheur. Personne te retient, Kevin.